Afin de soulager les voyageurs qui dépensent une fortune dans les tests Covid, les ministres de la CEDEAO prévoient une harmonisation mutuelle des tests PCR et la réouverture des frontières terrestres. C'est lors de la seconde session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tient à Abuja au Nigeria que les ministres ont formulé ces recommandations à l'endroit des chefs d'État. En ce qui concerne l'harmonisation des tests Covid-PCR, ce serait peut-être très très intéressant parce que chaque pays dit « voilà, moi c'est 72 heures, moi c'est 48 heures », à la fin on s'y perd. Et généralement, ces voyageurs-là sont des commerçants. Donc, ils ont besoin d'avoir une visibilité sur les règles administratives afin de pouvoir prévoir les différentes étapes de leur voyage. Et si ça change d'un pays à un autre, ce n'est pas très pratique. À travers ces recommandations, les responsables de la CEDEAO veulent mettre fin aux frais de tests PCR imposés aux voyageurs à chaque frontière. En effet, les voyageurs sont actuellement contraints à chaque frontière de faire un test PCR malgré la possession d'un test Covid négatif. Si la mesure entre effectivement en application, elle permettra de simplifier des formalités de voyage. Donc, il est bien que la CEDEAO montre par ce biais-là ce qu'on appelle l'union douanière, l'union des tarifaires, et que l'on applique le même tarif partout dans la CEDEAO. Et c'est une très très bonne chose. Que les règles soient communes est une avancée, parce qu'on a bien vu en Europe, malgré l'Union européenne, chaque pays a fait ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il pensait devoir faire sans aucune harmonisation, et ça a été dénoncé. Et si on arrive à avoir une harmonisation des règles dans la CEDEAO, c'est une preuve qu'il y a une meilleure convergence de vues des différentes politiques sanitaires. L'avènement du Covid-19 en 2020 en Afrique de l'Ouest a négativement affecté le volume des échanges commerciaux et la mobilité des personnes. Les mesures de riposte contre la pandémie avec la fermeture brusque des frontières ont suspendu la mise en œuvre des instruments d'intégration communautaire sur la libre circulation des personnes et des biens.